Il n'y a pas que des athées sur les réseaux sociaux. On peut souvent compter sur un bel élan de solidarité de la part des internautes et c'est même le dernier espoir pour Vanessa Demouy. La comédienne d'Issitôt commence à profiter d'une petite pause dans ses tournages pour lancer un grand appel à l'aide sur la story de son compte Instagram. L'interprète de Rose Latour dans la série de TF1 recherche désespérément et depuis des semaines un bien très mystérieux. En effet, l'actrice ne sait elle-même pas vraiment ce qu'elle a perdu mais elle recherche activement un colis envoyé par un mystérieux individu. Un petit message à la personne qui a envoyé un colis chez moi, qui aurait été noté comme réceptionné le 26 ou 27 juin. Je me bats, j'en suis à 3 réclamations au niveau de la poste pour qu'on essaie de me dire où se trouve ce colis. Mais on ne sait pas me répondre, a-t-elle déploré. Vanessa Demouy est d'autant plus abattue qu'elle ne connaît même pas l'identité du destinataire. La poste refuse bizarrement en effet de lui communiquer ses renseignements. Lassée par cette quête infructueuse. L'ex-femme de Philippe Lellouche a alors indiqué le numéro de son colissimo sur sa story Instagram. Si jamais vous m'avez envoyé un paquet et que je ne vous ai pas répondu ou remercié, c'est parce que je ne l'ai pas eu, a ajouté l'acolyte de Frédéric Diafantal. Après son SOS, l'actrice a bien évidemment reçu un torrent de messages, mais pas ceux qu'elle attendait. Vous me faites rire. Mais je sais bien qu'il faut aller sur le site de la poste. Je l'ai fait. Croyez-moi. J'ai même fait 3 réclamations donc là, il ne s'agit pas de savoir si le colis est perdu ou pas. Il est perdu. C'est juste que la personne qui me l'a envoyé qu'elle puisse être au courant. A-t-elle expliqué. Une bouteille à la mer.